Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, qu'est-ce que je me sens bien de faire une vidéo. En fait, depuis un petit moment, je sentais que, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que, mais attends, Farah, mais fais des vidéos. Parce que quand je fais des vidéos et que je me sens proche de vous, bah, que je me sens bien. Alors, vous pensez que vous avez besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de vous aussi. Donc, ensemble, on est ensemble. Et aujourd'hui, un rituel d'amour. Un rituel d'amour. Et je vais vous montrer ce rituel d'amour aujourd'hui qui est fait donc pour qu'il revienne en te suppliant. Parce que, mon Dieu, ce petit con, ce petit con, on s'est disputé. Soit vous vous êtes disputé, ou alors il a dit que c'est fini, ou vous avez dit que c'est fini. Ou il vous appelle pas, il prend la distance, il va revenir en vous suppliant. Vraiment. C'est pratiquement instantané. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour ça? Alors, un morceau de papier, une assiette. Là, je viens de sortir l'assiette de mon armoire et je vais vous dire, vous savez ce que j'ai trouvé dans l'assiette? Non, mais attendez, non, mais franchement, je vous jure que c'est vrai. Je n'ai aucune gêne à lui dire, j'ai trouvé un poil de cul. Je pense que ça devait être un poil de cul. Je ne sais pas comment il est atterri là, mais ça a atterri dans mon assiette. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir un poil de cul dans votre vaisselle. Alors, mettez-le moi dans les commentaires qu'on se marre un peu. Alors, juste avant ça, avant de vous dire ce qu'il y a à voir, n'oubliez pas qu'il y a... Attention, attention! Mon livre « Comment devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux en 21 jours, 21 jours, mon Dieu !» Et aussi, le nouveau, le petit bébé nouveau « Comment sortir d'une relation toxique en 21 jours également ». Alors, il y a des exercices, il y a des cadeaux à l'intérieur. Attention, surprise! Je veux dire surprise! Donc, et n'oubliez pas que vous pouvez toujours avoir votre formation gratuite pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Parce que si vous faites les rituels et que vous faites cette formation en plus, je peux vous garantir que ça va chauffer les mecs. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez marre de vous faire avoir par les hommes. Donc aujourd'hui, un rituel pour qu'ils reviennent en pleurant, en vous suppliant. Donc, je vous ai dit qu'il y avait le papyre, l'assiette sans poil de cul, évidemment. Me laissez pas le poil de cul, ça pourrait faire le bordel. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Juste une minute. Voilà. Ah, non. Ah, comme ça, ma lumière, c'est un peu mieux. Donc, on va avoir aussi ça. Stylo. Stylo, stylo ou Magicolor ou bic ou crayon. Pareil, mais qu'il soit rouge. De l'huile. Alors, moi, c'est de l'huile d'olive parce que j'aime pas l'autre huile. Mais ça peut être une huile, comme vous voulez, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de... Comment est-ce qu'on appelle encore Je ne sais plus. Donc, le papier. Vous allez prendre le papier. Bon, moi, je le déchire. Voilà, on le déchire. Ça, c'est toujours je déchire pour que l'énergie passe, en fait. D'accord? Ensuite, nous allons prendre le stylo rouge, je vais vous le montrer évidemment, je vous montre ça. Et nous allons indiquer son nom et son prénom. Donc, si vous n'avez pas le nom, eh bien vous mettez que le prénom. Et comme d'habitude, vous ajoutez des caractéristiques alors à ce moment-là. Parce que ça va être aussi ce que l'on va dire qui va faire en sorte. Alors, caractéristiques. Que je vous montre ça évidemment. Alors pourquoi une assiette? Vous allez comprendre pourquoi une assiette. Je le dépose sur l'assiette, je vous montre. Hop, voilà. Donc ok, donc on a mis le nom, prénom, plus ajouter des caractéristiques. Si, alors je vais vous le montrer ici, si vous n'avez pas son nom et son prénom, d'accord? Vous pouvez mettre par exemple date de naissance, par exemple son job, qu'est-ce qu'il fait comme, par exemple, Benoît le plombier, par exemple, j'invente. Hein. Donc, et mettre des caractéristiques. C'est clair que mettre des caractéristiques, c'est toujours mieux d'en mettre le plus. Alors, une assiette, sans poil de cul, évidemment. Une assiette, pourquoi? Parce qu'on va se servir de l'huile. Alors, oups, ah, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais peut-être. Il faut que je resserre là, désolé. Hein. Donc, j'espère ça. Non, mais c'est n'importe quoi là.
vraiment n'importe quoi, je ne peux pas trop le bouger. Ah, attendez, on va voir ici. Ah, je suis désolée, mais ouais, je ne pourrais pas faire grand-chose, sinon je dois tourner. Donc, on va laisser comme ça, voilà, en espérant que ça ne bouge pas trop. Donc, ce que vous allez faire ensuite, c'est prendre l'huile, l'assiette avec le papier, d'accord? Et vous allez mettre, alors attention, vous allez mettre, alors, regardez bien comment, hein. Voyez, regardez la vidéo et ensuite revenez la voir ensuite. Hein. Donc ici, une, deux, trois, voilà. C'est trois gouttes, hein. Donc vous mettez trois gouttes, pas plus, pas quatre, pas deux, trois gouttes. Moi, ça l'a fait en une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez votre assiette ici, alors, ici avec l'huile, d'accord? Vous avez l'assiette avec l'huile. Donc, ensuite, je vais vous montrer ce que je fais. Attention, soyez bien, bien concentrés. Alors, je vous montre ça. C'est possible que je dois changer mon... Donc, ensuite, voilà, vous allez... Est-ce que l'on le voit? Ok. Donc, ensuite, vous allez plier le papier en deux. Une fois, première fois. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de gouttes non plus. Hein. Alors, ensuite, vous allez le plier encore une autre fois. Voilà. Et le faire avec du papier, parce que vous voyez que, évidemment, il y a de l'huile ici. Hein. Voilà, le papier ici. Donc, vous retrouvez avec ce papier, est-ce que vous le voyez? Oui, ici. Donc, ce n'est pas fini. Hein. Ensuite, vous avez ce papier-là. D'accord? Si vous mettez plus, vous avez de l'huile partout. Donc, c'est pour ça vraiment trois petites gouttes, en fait, en réalité. Donc, ensuite, vous avez ce papier-là. Et vous allez prendre vos mains et les mettre sur le papier, en fait. Et vous allez réciter ce que je vais vous réciter trois fois. Seulement trois fois, pas plus. Hein. Donc, je vais le faire avec ma main et je vous remontre. Donc, ici, vous mettez votre main au-dessus. Que ce soit la gauche ou la droite, c'est égal. Vous pouvez même mettre les deux. Comme ça, il y a encore plus d'énergie. Et vous allez répéter trois fois. Donc, le prénom de la personne, par exemple Benoît, que mon amour te remplisse totalement. Ainsi c'était, ainsi c'est, ainsi sera. Répète une deuxième fois. Benoît, que mon amour te remplisse totalement. Ainsi c'était, ainsi est ou c'est, ainsi sera. Benoît, que mon amour te remplisse totalement. Ainsi c'était, ainsi soit, ainsi c'est, pardon, ainsi sera. Ensuite, c'est pas fini, attention, c'est pas fini. Donc, vous allez répéter trois fois ça, d'accord? Ensuite, ce papier, il faut que vous le portiez sur vous. Alors, le mieux, c'est de le mettre dans son soutien-gorge, en fait, dans son soutien-gorge. Évidemment, vous pouvez l'emballer d'un autre papier, puisqu'il y a de l'huile, vous pouvez l'emballer, hein. Voilà, ok. Ou le mettre dans du... Voilà, vous pouvez l'emballer, par exemple, enfin, sinon ça tâche. Ou alors, vous pouvez mettre dans un peu de papier Reynolds ou du papier plastique pour dans la cuisine, vous voyez. Donc, ensuite, vous aurez ça. Et donc, alors, ok. Et donc, vous le mettez dans votre soutien ou dans votre sac, mais c'est mieux soutien côté cœur. Côté cœur, en fait, d'accord? Si vous ne pouvez pas le mettre dans votre soutien ou que vous ne portez pas de soutien, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « je ne porte pas de soutien », donc vous le mettez dans votre sac ou dans votre poche ou vraiment. Mais si vous pouvez le mettre proche de votre cœur, c'est le mieux. C'est ce qui sera le plus puissant. Et pratiquement instantanément, il va vous appeler. Il va revenir vraiment en suppliant parce que ce rituel fait en sorte, avec la loi d'attraction, que ça l'attire, que ça lui provoque un déclic dans sa tête. On ne pourra pas expliquer pourquoi, mais il revient. Donc, mettez-moi dans les commentaires les résultats. Et aussi, ce que je voulais aussi vous dire, je voulais vous dire un truc, en fait. Je ne sais plus. Enfin, bon, ça me reviendra. Donc, n'oubliez pas aussi, pour tout ce qui est de la loi d'attraction, je vous mettrai les programmes. Il y a une masterclass gratuite.
J'en mettrai une autre ici aussi, qui se baladera dans la vidéo. Il s'appelle Renaissance, une masterclass gratuite, vous allez voir. Il y en a deux en fait. Donc, vous avez un, Femme Fatale, votre guide audio. Vous avez deux, Renaissance, ça fait pratiquement 1h30, un peu plus qu'1h30, pour vraiment vivre une transformation. Ensuite, que vous pouvez regarder quand vous voulez, vous cliquez sur les liens. Et ensuite, la loi d'attraction, vous avez aussi une masterclass, vous pouvez vous inscrire. Et donc, je vous laisse avec tout ça. Je vous love.